de l'histoire l'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré ses propriétés sont bien connues il fait rêver il enivre les peuples leur engendre de faux souvenirs exagère leurs réflexes entretient leurs vieilles plaies les tourmente dans leur repos les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. L'histoire justifie ce que l'on veut elle n'enseigne rigoureusement rien car elle contient tout, et donne des exemples de tout. Que de livres furent écrits qui se nommaient La leçon de ceci, les Enseignements de cela rien de plus ridicule à lire après les événements qui ont suivi les événements que ces livres interprétaient dans le sens de l'avenir. Dans l'état actuel du monde, le danger de se laisser séduire à l'histoire est plus grand que jamais il ne fut. Les phénomènes politiques de notre époque s'accompagnent et se compliquent d'un changement d'échelle sans exemple, ou plutôt d'un changement d'ordre des choses. Le monde auquel nous commençons d'appartenir, hommes et nations, n'est qu'une figure semblable du monde qui nous était familier. Le système des causes qui commande le sort de chacun de nous, s'étendant désormais à la totalité du globe, le fait résonner tout entier à chaque ébranlement. Il n'y a plus de questions finies pour être finies sur un point. L'histoire telle qu'on la concevait jadis se présentait comme un ensemble de tables chronologiques parallèles entre lesquelles quelquefois des transversales accidentelles étaient çà et là indiquées quelques essais de synchronisme n'avaient pas donné de résultat si ce n'est une sorte de démonstration de leur inutilité ce qui se passait à pékin du temps de césar ce qui se passait aux ambaises du temps de napoléon se passait dans une autre planète mais l'histoire mélodique n'est plus possible. Tous les thèmes politiques sont enchevêtrés et chaque événement qui vient à se produire prend aussitôt une pluralité de significations simultanées et inséparables. La politique d'un Richelieu ou d'un Bismarck se perd et perd son sens dans ce nouveau milieu. Les notions dont ils se servaient dans leurs dessins, les objets qu'ils pouvaient proposer à l'ambition de leur peuple, les forces qui figuraient dans leurs calculs, tout ceci devient peu de chose. La grande affaire des politiques était, elle est encore pour quelques-uns, d'acquérir un territoire. On y employait la contrainte, on enlevait à quelqu'un cette terre désirée, et tout était dit. Mais qui ne voit que ces entreprises qui se limitaient à un colloque, suivi d'un duel, suivi d'un pacte, entraîneront dans l'avenir de telles généralisations inévitables que rien ne se fera plus que le monde entier ne s'en mêle, et que l'on ne pourra jamais prévoir ni circonscrire les suites presque immédiates de ce qu'on aura engagé. Tout le génie des grands gouvernements du passé se trouve exténué, rendu impuissant et même inutilisable par l'agrandissement et l'accroissement de connexions du champ des phénomènes politiques car il n'est point de génie, point de vigueur du caractère et de l'intellect, point de tradition même britannique qui puisse désormais se flatter de contrarier ou de modifier à leur guise l'état et les réactions d'un univers humain auquel l'ancienne géométrie historique et l'ancienne mécanique politique ne conviennent plus du tout. L'Europe me fait songer à un objet qui se trouverait brusquement transporté dans un espace plus complexe, où tous les caractères qu'on lui connaissait, et qui demeurent en apparence les mêmes, se trouvent soumis à des liaisons toutes différentes, en particulier les prévisions que l'on pouvait faire. Les calculs traditionnels sont devenus plus vains que jamais ils ne l'ont été. Les suites de la guerre récente nous font voir des événements qui, jadis, eussent déterminé pour un long temps, et dans le sens de leurs décisions, la physionomie et la marche de la politique générale. Être en quelques années, par la suite du nombre des partis, de l'élargissement du théâtre, de la complication des intérêts, comme vidés de leur énergie, amortis ou contredits par leurs conséquences immédiates. Il faut s'attendre que de telles transformations deviennent la règle. Plus nous irons, Moins les effets seront simples, moins ils seront prévisibles, moins les opérations politiques et même les interventions de la force, en un mot, l'action évidente et directe, seront ce que l'on aura compté qu'ils seraient. Les grandeurs, les superficies, les masses en présence, leurs connexions, l'impossibilité de localiser, la promptitude des répercussions imposeront de plus en plus une politique bien différente de l'actuelle. Les effets devenant si rapidement incalculables par leur cause, et même antagonistes de leur cause, peut être trouvera t-on puéril, dangereux, insensé désormais, de chercher l'événement, d'essayer de le produire ou d'empêcher sa production. Peut être l'esprit politique cessera t-il de penser par événement, habitude essentiellement due à l'histoire et entretenu par elle. Ce n'est point qu'il n'y aura plus d'événements et de moments monumentaux dans la durée il y en aura d'immenses mais ceux dont c'est la fonction que de les attendre, de les préparer ou d'y parer apprendront de plus en plus à se défier de leur suite. Il ne suffira plus de réunir le désir et la puissance pour s'engager dans une entreprise. Rien n'a été plus ruiné par la dernière guerre que la prétention de prévoir. Mais les connaissances historiques ne manquaient point, il me semble.